pas. J'ai pas vu son visage. Terreur à la Coupe du Monde de Quidditch. Qui veut des bonbons, des friandises? Et ici, on veut des bonbons, des friandises? Oui, un paquet de ballons de gomme et une baguette magique à la réglisse. Tout compte fait, juste la gomme. Je m'en charge, ça va. Juste la gomme. Merci. Deux pâtes à citrouille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une friandise, mon petit? Oh non, merci, j'ai pas très faim. Bonbon, friandise! C'est horrible. Dire que le ministère ignore qui l'a fait apparaître. Où était la sécurité? Il y en avait pas ou... Des tonnes, selon papa. C'est ce qui les énerve à ce point-là. Ça s'est passé sous leur nez. Elle est douloureuse à nouveau, hein? Ta cicatrice? Non, j'ai pas mal. Tu sais que Sirius voudrait que tu lui parles de tout ça, hein? Ce que tu as vu à la Coupe du Monde est ton rêve. Sirius Black. Edwige, allez, vole! Maintenant que nous voici tous répartis et installés, je voudrais faire une annonce. Ce château ne sera pas que votre demeure cette année, mais il abritera également quelques invités très spéciaux. C'est que Poudlard a été choisi... Sors, qu'y a-t-il? Donc, Poudlard a été choisi pour accueillir... un légendaire événement, le tournoi des trois sorciers. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, le tournoi des trois sorciers oppose l'une à l'autre trois écoles dans une série de compétitions de magie. Et par école, un seul étudiant aura le droit de la représenter. Et je vais être très clair, cet élève sera seul au combat. Et croyez-moi quand je dis, ces concours ne sont pas pour les froussards. Mais à plus tard ces détails. Pour l'instant, souhaitez la bienvenue avec moi aux charmantes jeunes filles de l'Académie de Magie Beaubaton et à leur directrice, Madame Maxime. Bon sang, bonsoir. Non, mais t'as vu ça? Toute une pièce de femme. Et maintenant, nos amis...